Depuis 33 ans, Michel Charras est maire depuis Guillaume. Désormais membre du Conseil constitutionnel, il doit abandonner cette fonction. Et c'est en tant que doyen d'âge des conseillers municipaux qu'il préside l'élection du nouveau maire. Pour lui succéder, Nadine Chabrier et David Pletza, qui malgré une élection sans débat, a décidé de se faire entendre. Monsieur le doyen d'âge, il n'y a pas de débat. Monsieur le doyen d'âge, il n'y a pas de débat. Je vous prie de vous asseoir. Il ne s'agit pas d'un débat. Je vous prie de vous asseoir. Je souhaiterais, si vous le permettez. Je ne le permets pas. Je souhaiterais. Et si Michel Charras est en colère, il est avant tout très ému de quitter son siège de maire. Cette coupure se fait rapidement, c'est la loi de la République, mais après tant d'années de présence et tant d'heures passées ici, ben bon, c'est un pincement au cœur, et puis des amis du conseil municipal avec qui j'ai aimé travailler, que je verrai moins. Après cet incident, les 23 conseillers municipaux déposent leur bulletin dans l'urne. Le résultat voit Nadine Chabrier l'emporter avec 16 voix contre 7 à son adversaire. J'avais souhaité depuis longtemps que ce soit Nadine Chabrier qui me remplace comme maire. Écoutez, elle travaillait avec moi depuis 27 ans comme assistante parlementaire. Puis 2 ans, elle est ma première adjointe. Elle a mon carnet d'adresses, elle sait s'en servir. Elle est au fait de tout. Elle est courageuse, elle est autoritaire. Elle n'est surtout pas démagogue, parce que je ne voulais pas mettre à ma place. Enfin, je ne souhaitais pas que me remplace quelqu'un qui dirait oui tout le temps à tout, béni oui oui, etc. Une femme à l'image de son prédécesseur qui va désormais occuper un bureau chargé d'histoire. Je suis très contente, à la fois très contente et très émue de succéder à Michel Charras. Je sais que ça ne va pas être une tâche facile, mais je sais aussi qu'il me fait confiance et je vais tâcher de ne pas le décevoir. Le 4 mars, Nadine Chabrier présidera son premier conseil municipal, un conseil auquel assistera Michel Charras, qui a souhaité rester conseiller.